avec Fête de la musique, avant que Fête de la musique soit installée par Jacques Lang, c'était quoi? C'était la fête de naissance de la radio ici maintenant, mes chers amis. Alors ce soir, je veux dire à mon ami Jacques Lang, merci Jacques, puisque de temps en temps, il faisait des choses que je n'étais pas d'accord, mais hier, il a fait quelque chose qui m'a touché, Jacques Lang. Je le remercie beaucoup. Ça concernait Alain Delon. Alain Delon, samouraï de cinéma mondial, ce n'est pas la France. Alors, quelques milliers, ils avaient ramassé certaines signatures contre Alain Delon concernant le Festival de Cannes de cette année, qui a rendu hommage à cet artiste international, patrimoine de cinéma mondial, Alain Delon. Concernant quelque chose qu'il a dit un jour, vous êtes con vraiment d'oublier de ne pas pour distinguer l'individu et son caractère avec une phrase qu'il va lancer, je ne sais pas quand et dans quelles conditions. J'ai entendu Jacques Lang, il est venu défendre Alain Delon, et il a dit c'est tout à fait normal et il le mérite. Qui nous rendons hommage à Alain Delon au Festival de Cannes cette année, dans le 72e anniversaire du Festival de Cannes. Tout ça, mes chers amis, c'est à réfléchir. Alain Delon, partout dans le monde, c'est un dieu. C'est un dieu. Beaucoup de gens ont vécu leur vie et leur jeunesse avec Alain Delon. Jean-Paul Belmondo, bien sûr, avec Anthony Quinn et d'autres personnes. Même Anthony Quinn, lui-même, Omar Sharif, il avait des respects incroyables pour Alain Delon. Incroyable. Omar Sharif, il vivait dans un hôtel proche de l'Arc de Triomphe. Un ami il avait offert une suite là-bas pendant des années, il était là. Mais malheureusement, quand on avait pris cette suite, je crois que l'hôtel était vendu, on a pris cet hôtel, il n'avait plus un logement intéressant, Omar Sharif. Omar Sharif qui était Sharif, vraiment, c'était un type aussi formidable, est parti, et nous l'avons oublié. Lui-même, un jour, il m'a dit, David, Alain Delon, il a donné envie à plusieurs millions de personnes d'aimer le cinéma, d'aller au cinéma et de devenir acteur. Alain Delon, c'est la parole de Omar Sharif pour toi. On va embrasser Alain Delon, mais on va continuer